C'est trop bon, non? Arrête ça! Ce n'est pas de la nourriture, tu comprends? Ne refais jamais ça! Un champignon de puissance apparaît. Attrape-le vite. Mais qui sera le Mario chanceux? Ah, moi! Hein? Non! J'ai gagné! Youpi! Et voilà ce que peut faire le champignon de puissance. On est riche maintenant. Retour à notre modeste maison? Eh bien alors, rejoignons tous le plaisir avec les astuces de parentalité de Mario riche versus Mario pauvre. Quand les princesses pauvres vont aux toilettes, c'est souvent de gros champignons en morceaux. C'est l'heure de tirer la chasse. Oh non, il n'y a pas d'eau. Je sais. Peut-être que ce seau d'eau fera l'affaire. Oh non, ça a l'air mal. C'est bouché. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Toilette bouchée? Oh non, direction la zone de téléportation. C'est bon. C'est assez lourd. Oh. Voilà. Un champ enchaîné s'en chargera. Allez, hop. Oui, c'est ça. Tu peux le faire. Ça a marché. Il a mangé tous les champignons. Il est encore plus fort maintenant. Oh. Oui. Youpi. Quand les princesses riches vont aux toilettes, ce sont généralement des pièces d'or. Il faut toujours tirer la chasse. Mais peut-on tirer la chasse avec des pièces? Oh non, ça ne marche pas. Ah! Papa! Qu'est-ce qui se passe, toilette bouchée? Ne t'inquiète pas, ton père est plombier. Et voici mon arme secrète, la bombe de toilette puissante. On doit l'allumer pour l'activer. Feu à volonté! À couvert! Ça a marché? Waouh! Et encore mieux, une rénovation totale des toilettes digne d'une princesse. Hourra! Aïe! Messieurs, ça fait mal! De l'eau de cafard pour la paire. C'est encore pire! Je ne peux pas voir! Oh non! Mais j'ai une idée! Une plante piranha? Juste les feuilles, allons-y! Mais tu dois d'abord la combattre! Il faut être rusé! Waouh! Je les ai eus! Voilà! Un bouclier shampoing aux feuilles de piranha! Mettons-le à l'épreuve! Waouh! Ça n'atteint plus mes yeux! Super! Ah! La mousse me pique les yeux! Arrête, papa! D'accord. Il est temps d'utiliser la sonnette d'urgence. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une couronne de douche? Parfaite pour une princesse comme toi! Youpi! C'est mieux! Et pour un bain encore plus luxueux et amusant, voici une douche éléphant Mario! Je me sens rafraîchie. C'est le but. Youpi! Merci, papa. Regarde ce que j'ai pour toi, ma princesse. Des rouges à lèvres dorées. Oh, super! Laisse-moi regarder. Celui-ci est rose pastel. Délicieux. Content que ça te plaise. Hein? Tu manges ces rouges à lèvres? Tellement bon. Oh, ce n'est pas de la nourriture. Je ne savais pas que tu pouvais crier aussi fort. J'ai tellement faim. D'accord. Il est temps de frapper le bloc mystère. Waouh, des pièces d'or. Utilisons-en une et voyons ce que le tuyau de téléportation peut nous donner. Waouh, un rouge à lèvres au chocolat et fraises. Que dirais-tu d'un rouge à lèvres que tu peux manger? Waouh, miam. La princesse adore ça. Super travail, papa. Merci. Waouh, c'est du rouge à lèvres. Salut, Lyra. Je vais le prendre. Voyons voir. Ça a l'air délicieux. Hey, à
Arrête ça! Qu'est-ce que je devrais te donner à la place? Je vois une tablette de chocolat. Bonne idée! Mais bien sûr, on doit récupérer la tablette de chocolat avec précaution. Excusez-moi, monsieur Serpent, pendant que je prends ça pour ma princesse. Je dois installer une zone de cuisson juste ici. Et quand c'est prêt, il est temps de faire fondre ces morceaux de chocolat. Quelle beauté! Maintenant, on va la verser dans un moule à rouge à lèvres. Mettez-le au congélateur et attendez quelques minutes. Et voilà! Un rouge à lèvres que tu peux manger. Laisse-moi essayer. Miam, 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 miam. C'est bon! Génial! Mon costume doré est enfin arrivé. Et je peux déjà imaginer à quel point je serai beau dedans. Des pieds sales approchent. Youpi! Oh là là! Sauter sur le costume doré de Mario Riche n'est pas une bonne idée. Oh non! Mon précieux costume doré! Ce n'est pas possible! Viens ici! Je vais t'attraper! Oh! Je ne peux pas l'attraper, mais... Une idée me vient à l'esprit. Il faut frapper le bloc pour des pièces. J'en ai une! Direction la zone de téléportation. Waouh! Service de nettoyage, Luigi! Nous sommes en mission! À vos ordres, chef! Un spa de luxe pour les pieds de la princesse. Bottes en plastique et savon moussant pour sauver ses pieds sales. Laissez-les tremper gentiment, détendez-vous et profitez. Et bien sûr, on les essuie pour une finition super propre. Autre chose, c'est tout pour le moment. Avec plaisir. Maintenant, tu es propre. Youpi! Tâche tenace! Ah! Enfin propre! Hein? Est-ce un tremblement de terre? Oh non, ma princesse ramène de la boue! Tiens bon, tiens bon! Allez, boue, aide-moi! Ça va être beaucoup à nettoyer! Non! Sauvons le tapis! Attrapez! Oui, c'est ça! Marche sur ce ballon fantôme! Il enveloppe ses chaussures sales! Ouf! Ça a marché? On dirait que oui! Youpi! Le tapis est toujours propre! Super astuce! Heureusement que je suis débrouillard! Quoi de neuf, les Kaboomers? N'était-ce pas super amusant? Que pensez-vous de notre vidéo? Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire toutes vos histoires incroyables. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner à Kaboom Energy pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci. En attendant, profitez de notre brillante sélection de bêtisiers que nous aimons considérer comme notre cerise sur le gâteau.